Vous êtes sur RTL. Bonsoir Olivier Mazerolle. Alors Emmanuel Macron et le gouvernement, on l'a dit, se font discrets, même plus que discrets. Ils ne parlent pas, ils ne se montrent plus. C'est pas uniquement par crainte des incidents? Oh non, des incidents, s'il devait y en avoir, il y en aura à la rentrée et ça ne sera pas mieux. On aura vite fait d'oublier la période de trêve. En revanche, il n'est pas inutile de profiter de ce moment où la France a la tête ailleurs pour réfléchir à la suite, pour éviter de réitérer ces bévues faites de déclarations, une réaction intempestive, laissant croire que le gouvernement englobait tous les manifestants dans une condamnation légitime et bienvenue des violences, jusqu'à ce qu'Édouard Philippe rétablisse l'équilibre en précisant que tous ne sont pas violents ou racistes. Ou bien encore pour éviter la réitération de formulations imprécises sur des mesures prises à la va-vite sous la pression de la rue, comme l'a fait Emmanuel Macron en annonçant des décisions importantes, coûteuses, mais dévalorisées par le concert d'approximation sur la manière de les mettre en application. Ouais, j'imagine que là, vous faites référence à l'augmentation de 100 € pour toute personne payée au SMIC, parce que, en fait, on a vu, ce ne sera pas le cas pour tous, loin s'en faut. Mais pourtant, Emmanuel Macron avait été très clair dans sa déclaration du 10 décembre. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, avait-il dit. C'était net, clair et précis. Mais trop simple, parce que le versement de la somme relève de la prime d'activité dont l'attribution dépend du nombre d'enfants et du montant des revenus globaux d'une famille. Ce qui veut dire que le smicard dont le compagnon ou la compagne gagne bien sa vie et qui n'a pas beaucoup d'enfants n'aura droit qu'à une partie de la prime et peut-être même à rien du tout. C'est grave parce que la parole présidentielle est dévaluée alors que le calendrier à venir s'annonce compliqué. Plus grave encore, la dignité du smicard est bafouée. On lui fait comprendre que son niveau de vie dépend d'un autre. D'accord, mais n'empêche, il y a quand même une certaine justice sociale dans cette décision. Édouard Philippe avait d'ailleurs fait remarquer que plus d'1 million de smicards se trouvent dans 30% des foyers les plus aisés. Donc il n'est pas normal dans ces conditions de limiter le montant de la prime qui leur est versée ? Non, parce que c'est une logique comptable qui travestit la promesse Macron. Elle n'est plus une réévaluation du travail, mais un don offert par commisération à ceux qui en ont besoin. C'est parfaitement contradictoire avec la valeur travail mise en avant par Emmanuel Macron qui disait « Le travail libère, émancipe et sécurise ». Le travail a une fonction sociale évidente. Il permet aux salariés de voir sa compétence reconnue par d'autres, de participer à l'œuvre collective de la nation, à sa richesse. Il en tire fierté pour lui-même et dignité par rapport à sa famille, mais pour que le travail apporte cette satisfaction, il doit être rémunéré décemment. Vous croyez, Olivier, que le gouvernement peut revenir sur sa décision? Oh non, j'y crois pas beaucoup, mais il devrait le faire pourtant. Ceux qui font l'effort de bosser au SMIC ont décidé de participer à l'effort collectif en acceptant de travailler quand bien même les revenus de leur ménage leur permettra de ne pas le faire. Leur travail doit être rémunéré en conséquence. Si l'on croit à la valeur travail, on devrait s'interdire de faire dépendre la rétribution du smicard d'un geste qui, dans sa formulation, s'apparente à de la charité. Ce n'est même plus une question de montant, c'est une question de principe et une question d'honneur. Olivier Mazerolle, que l'on retrouvera bien évidemment demain, même endroit, même heure, c'est-à-dire 18h30 sur RTL.